On parlait du RPG. Qui est le président du parti aujourd'hui? Le président du parti. RPG Arc-en-Ciel. Vous savez. On ne connaît pas. RPG a un père fondateur. On ne connaît pas. Je dis, vous savez que le RPG a un père. Absolument. Fondateur. Le président fondateur, c'est le professeur Alpha Condé. Mais aujourd'hui, il est président de la République. La République, il est au-dessus de la mêlée. Voilà. Et c'est qui le président du RPG? Non, on n'a pas. Qui dirige le parti alors? Pour ne pas parler du président. C'est la direction nationale. C'est qui? Le parti n'est pas dirigé par une personne, c'est la direction nationale. Mais la si direction on... nationale il faut quand même la direction nationale comporte un secrétaire général et les autres. Mais c'est qui la tête du parti aujourd'hui? Mais je vous dis qu'il y a une coordinatrice nationale du parti et à la direction nationale qui décide. Même une coordinatrice seule ne décide pas. La tête du parti, c'est la direction nationale. Les décisions sont collégiales. Qui refuse qu'il y ait un congrès au RPG? Tu ne vas pas me dire ça, que qui refuse, qu'il y a le c'est les militants, c'est pas toi qui va me dire qui refuse le congrès. Le RPG ne refuse pas le congrès. Qui refuse? Le dernier congrès remonte à quand? Je ne saurais vous le dire. Mais on sait que le parti fonctionne, on a nos instances, nos structures, tout fonctionne bien. Je ne sais pas pourquoi vous êtes pressé. On peut titrer que honorable Ali Kaba lui-même ne se souvient pas de la date du dernier congrès. Non, c'est pas que je me souviens qu'est-ce pas. Qu'est-ce que vous pensez? Mais ça date de quand? La convention, notre dernière convention, on l'a fait au mois de décembre. Nous parlons du congrès, oui, honorable. Le congrès, on peut ne pas en avoir besoin quand on règle les problèmes du congrès pendant les conventions. C'est le président de la République qui refuse qu'il y ait un autre président du parti? Vous aussi. Si vous voulez adhérer, prenez vos cartes, on va débattre de nos situations au parti. Et comment adhérer au RPG? Vous prenez votre carte d'adhésion. Elle coûte combien? Non, ce n'est pas cher. Moi, je peux vous aider à voir. Ce n'est pas plus. Vous savez, il pose la question pour ceux qui nous suivent. Pour ceux qui nous suivent, peut-être. Non, allez-y, ça y est, dans toutes les sections, c'est pas cher.